wana, kau wana, i te wā o Tangaroa, Tangaroa mauri uri, te moana akiwa, Tangaroa mautai, mō hine te iwa iwa, Tangaroa takutai, tai timu, tai pari, a hine moana, ka hao te kupenga, a hine moke moke, pumo wana pūpaka paka, pūtatara, te reo whakahui hui, angata e. We're here to be part of the Tatau Festival and to share our art form with the people of the land and visitors, and just to connect with other Indigenous people and their art forms, and to talk about the art of Tatau, the art of Pea, the art of Tāmoko, Indigenous tattooing. Plein de jeunes veulent apprendre le tatou, le tupuna, quoi, le tatou marquisien, avec le noir et la signification avec le requin, tous ces côtés-là, quoi. Watau ki te nei te whanua a morea, ki o hoki ki te kainga, ma māta wano ki o hoki ki te kainga ki wanga nui a te tatou, a morea, ma māta te miharo, te hare koa, te manawa, te aroha, te mauria mai ngā tūpuna, ngai Māori. That's how important it is to us and the energy our group brings. But yes, there are, people do them different ways, I suppose, but yes, the other day was very good when we did the opening. The energy was unified and together. Anga rangatira, anga te tangata, te whenua nei, tēnei mā mātou, e mihi kau atu ki a koutou, ki a koutou katoa i mauria mai, i nā taonga, tuku iho mai ngā tūpuna, ki ngā ringa. You know, always when there are festivals and you bring people together, there are always things to do and people to greet and to open and close the festival. And so the ceremony was very good as far as we were concerned. It was great. Mihi ki ngā ātua, ya mihi ki ngā tūpuna, ya mihi ki te manoa te whenua. That's just our way of expressing our gratitude and our thanks, is with to respond to the people that are greeting us, and to follow it up with music, haka, just to bring our energy to the people here, people of the land. Ngā koutou, te haukainga, ngā tangata I tiaki ana I te whenua. Kei wani wani a taku tāra, o tāra wahi a kei taru pāta karakero. E pangara hui e wira ki te rangi kete kete, uki tupu hukai iri māu o tako. Tu wehe yo te matakata, uwe te tonga ta kia urere ure. Tu hapana uare are 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 are. The other side.
faruru to wo te mo ta a ti ta mai na te feni wa te roa te mana tatau o morea ka mauri a mai te mana te tapu no Aotearoa na mātā waka. Hurra! Tungo tonu wa tuki a kua atama! Hiki na kōra kukakaro pakeia! Hiki no ato hiki! Hiki no ato hiki! Hiya! Sana! 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 Aue! So all my people will be working so hard this world that is ever too far. Take me anywhere, it don't matter, go hard. So take me to a place you can rock me so bad. Aotearoa, New Zealand, we're always surrounded by carvings which have moko, tattooing, paintings which reference it, photographs of our ancestors which have the tattoo, the moko. It's folly photo. Yes. La photo, c'est un message, toi. À travers cette photo-là, tu peux réveiller le feu qui se cache dans la personne. Qu'est-ce qu'il est? Tu peux juste réallumer sa lampe et pas tout seul sur la voie. Il trouve sa voie en fait, parce qu'il t'a vu. Tu lui as donné la voie. On a en Océanie plusieurs sociétés dans l'Ouest, Fidji, Samoa, Tonga, où la société est encore structurée, on dirait, comme la société ancestrale. C'est-à-dire qu'on a des règles à suivre, mais c'est des règles qui sont vécues et pas imaginées. Et tout le monde à Samoa connaît les règles, comment le comportement si on fait le tatouage. On a fait les mêmes choses. Les Sulapé sont venus à la Pacific Arts Association Conference à Auckland. Tu as eu que le droit, si là, tu prends ton Sulu, hein, et là tu peux regarder le tatouage, mais pas de Sulu, pas de rentrée, c'est assez simple que ça. Tattooing in the Pacific is a very old ritual, and each island has its own rituals. Most of them have been lost because of Christianity. In the old days, our ancestors, when they tattooed, there was a lot of chanting, a lot of prayer, there were rituals for preparation for it. It happened in a space where no one else could see. The person, after being tattooed, would go and be looked after away from the community. There were all sorts of restrictions and protocols to follow. Yeah, there are lots of rules to do with tattooing. There's lots of different types of rules that are laid down, what we call tikanga, which is our process and the way in which we do our art form. Yeah. Ce que tu, si tu portes le P, c'est un respect de toi, c'est-à-dire que tu ne fais pas n'importe quoi. C'est le fait droit, c'est comme... Parce que le P, c'est comme une pirogue. C'est comme les balanciers. C'est ça qui représente. Toi, tu as toujours. Tu es toujours droit. Les sociétés, la Polynésie française, l'île de Pâques, le Maori à Nouvelle-Zélande et à Hawaï, on dit toujours le triangle polynésien, mais on oublie le vrai triangle polynésien. Le vrai triangle polynésien, c'est Tonga, Samoa et Fidji. Parce qu'eux, ils sont des voisins. Tu peux aller de Tonga en 24 heures en grand double coq, tu peux aller chercher de l'aide. C'est-à-dire, bien sûr, ça c'est le berceau, à une certaine manière, beaucoup plus important, où malgré colonisation, mission, tout ce qu'il faut, les gens ils ont gardé quand même une vie dite traditionnelle, une structure sociale qui se heurte, qui se frotte toujours avec la modernité, c'est-à-dire... Une connexion plus forte
entre l'usage qu'on fait d'un tatouage à samouraï et le reste du fonctionnement de la chefferie. On ne constate pas dans le reste de la Polynésie à l'heure actuelle. Il ne faut pas faire des trucs n'importe quoi. Et il faut, en plus, quant à ça, quand tu montres, ils ont un respect aussi. Parce que c'est dur à porter le PA. Il ne faut pas faire n'importe quoi, juste porter le PA comme ça et faire n'importe quoi. Il faut être droit. Ouais, c'est strict. Pourtant, beaucoup de gens font des tatouages polynésiens, mais c'est... Voilà. C'est une vie dure, à Samoa, vivre dans un village, ça peut être dur, parce que tu peux être chassé, tu peux machin, hein. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est des règles, elles sont différentes. Et ça, c'est bien sûr, il maintient ça. Pour moi, c'est rien spécifique. Moi, j'ai appris tout ça. C'était une idée que j'avais depuis longtemps, quoi, hein, de faire quelque chose à Montréal. Et donc, voilà, quoi, hein, on a décidé de faire quelque chose de bien local, quoi. Hein, on voulait faire un show un peu hors norme, quoi, disons. Comme c'est un festival qui dure une semaine, c'est exceptionnel, parce qu'en général, les tatoueurs qui sont ici, ils ont l'habitude de participer à des conventions de tatouage partout dans le monde, mais en général, ça dure 2-3 jours. Alors évidemment, ils ont le temps de se voir, mais là, ils se voient tous les jours pendant une semaine, c'est assez exceptionnel. L'année dernière, il y a eu un festival à Majorque dans ce genre-là qui a duré 10 jours. Et effectivement, il y avait très peu de public, c'était une centaine de tatoueurs entre eux pendant 10 jours, et ça crée une bonne émulation, quoi. Ça crée des liens, les gens deviennent potes ou deviennent ennemis, mais bon, il se passe plein de choses, quoi. On avait été à Palma de Majorque déjà avec l'idée de faire venir des gens de là-bas. Et puis après, bon, on s'est lancé dans les travaux, hein, voyant qu'on n'avait pas d'argent, pas d'aide, etc. On a commencé à couper tout nous-mêmes. Hein. Ça a été ça vraiment le gros boulot. Hein. Depuis février, en fait, on a commencé fin février avec Poto tous les deux, à couper le bois tout seul. Voilà, et petit à petit, après, petit frère est venu se greffer à nous, donc on était trois. C'est bon, on est tatoueurs. Où il s'est construit, moi aussi. Voilà. This looks all right to me. Huh? Yeah, perfect, man. Yeah, it was okay. It's Freddy what the motif is. C'est pas mon symbole, c'est un symbole marquisien qui... Donc moi j'ai repris, tu vois. My name is Phil Cummins. I'm also known as Phil Antacarana. I've come from Ireland. I'm responsible for the Traditional Tattoo and World Culture Festival, which was held in Majorca in 2017. And I'm a tattooer that specializes in black tattooing and Celtic art. The Traditional Tattoo and World Culture Festival was the largest gathering of tribal cultures and ethnic minorities coming together to share their culture and their arts and their tattooing traditions and to help preserve them for future generations. It was it was the largest gathering that's probably ever happened of such a kind, you know.
This is a. This would be regarded as the sister festival to our festival in Mallorca, and this was inspired by what we did in Mallorca, and we're trying to. The guys who are making this are trying to do a similar thing by bringing as many different cultures together to share their knowledge and what they do, and help educate people about tattooing in the broader sense. I do more hand poking and mostly machine work, but I have tried to do some stuff with the Borneo guys, and the guys from Indonesia have shown me how to use their tools, but I wouldn't be a master at such things. I'm better with the machine and working with hand poking and chopsticks. Mm-hmm. Everyone has, every culture really has their own specific style that they specialize in. The guys in Borneo and Sarawak have very, very heavy, dense black tattoos, whereas the Maoris use a lot more ornamental, fine line details and kurus. They use different tools as well, depending on the tribes and the style of tattooing. They use different tools, you know. Je trouve l'initiative en général, je trouve très très bien. Faire venir les gens ici, avoir l'échange, parce que c'est ça, notre monde, on est au 21e siècle, on vit dans un monde d'échange. Donc je sais que dans ce genre de festival, c'est le but aussi, c'est de, voilà, que les gens communiquent, qu'ils s'apprennent des choses les uns avec les autres. Parce que c'est en arrêtant de dire n'importe quoi comme avant, aussi, quoi. Throughout the islands, our people sometimes had the same motif, but each island had a different name for it, a different story attached. So visually it's easy to see similarities, but that's always developing, it's always local, so yeah, it's so vast, it's hard to make any real connections. La peau, elle s'éclate pas. Ça c'est toi. Toi? So this is a real pleasure to be able to connect easily with our cousins here, our brothers here. Where a lot of, sadly, our other Māori can't connect so much, we can't exchange so much because we don't have that language similarity. So I'm really lucky to have that. Je vais couper, ou même avec la scie, puis le mettre sur le pincé. Bientôt 30 ans que je suis ami avec eux. Quoi. Moi, j'ai fait les tout premières conventions qu'ils ont organisées à Auckland, dans les universités à Auckland. Moi, ils m'ont invité. Quoi. Alors, j'ai commencé à voyager là-bas. Et ils ont commencé à venir chez nous parce qu'on est allé chez eux. Alors, ils sont venus chez nous. Ça veut dire que l'échange a marché. Quoi. Maintenant, c'est des frères. Maintenant, c'est plus des étrangers. I have this feeling of being connected with the land. On top of that, for Māori, this is a homecoming in some way, because our ancestors come from Tahiti, Morea, Daiatea, Tuamotu, all these other islands. So for us, it's very powerful and special to be here, and to share the culture that we have, and the art forms that we have, and the stories that we have is very special. This is a highlight of anyone's career. You know. This is also the reason why we came here, to talk to other people, Makishans, Samoans, Rapa Nui, Tahiti, the Pacific Island. And there are other people here from Celtic
and other people as well. Yeah. It's not about making money, it's not about selling, it's not about showing off, it's just about doing your work and sharing with people and meeting people and spending time together. And that's been really special. And the diversity has been amazing. The diversity of other cultures is fascinating. Every day you're learning, discovering and inspiring. Le tatouage de l'Océanie, bon, le polynésien on dirait, ça commence à Fidji quand même, c'est-à-dire avec le tatouage de femmes. À Fidji, c'était que des femmes tatouées, pas des hommes. Hein? Que des femmes. Et puis, un tatouage, c'est-à-dire, c'était impossible de se marier avec une femme qui n'était pas tatouée, mais surtout le bas-ventre, hein? C'est-à-dire le sexe et tout, très important. Et l'histoire est assez raccourcie, c'est il y avait deux filles qui sont parties avec des outils et tout ça. Et puis ces deux filles vont à la nage de Fidji à Samoa, qui montrent bien la relation. Et puis ils disent, et les gens ils disent, il faut dire only the ladies, only the girls, seulement les femmes, seulement les filles. Mais comme ils arrivent à la nage, ils sont tellement, comment dire ça, tellement exhausted, comment dire ça, tellement. Après ces longs trajets, ils sont oubliés, ils disent seulement les hommes. C'est-à-dire, l'origine du tatouage polynésien, c'est quand même à Fidji. Un pays où on dit toujours la Mélanésie, tu vois? Mais ce n'est pas la Mélanésie, c'est l'Océanie. 1804, première image de quelqu'un qui était tatoué entièrement. Et à Samoa, on a développé une pratique comme. On peut dire, hein, ils sont tous, une racine commune. Mais après, tu as des développements, on dirait, endémiques, naturalisés, comme les plantes. C'était les Samoa, ils ont développé leur PA qui est plutôt des lignes et tout ça. Et après, c'est le plus développé, c'est les marquises. Mais c'est peut-être plus tardif. Les tatoueurs de Bornéo à l'heure actuelle, c'est plutôt des tatoueurs qui sont vraiment en milieu urbain, quoi. Quand les tatoueurs occidentaux se sont mis à faire du tribal, entre guillemets, et en fait c'était directement inspiré du tatouage de Bornéo, de la manière de composer les motifs à Bornéo. Les tatouages tribales viennent de là en fait, plus que du polynésien. Et ces bandes noires un peu courbées en pointe là, ça c'est directement inspiré du style de Bornéo. Des styles de Bornéo, parce qu'à Bornéo il n'y a pas qu'un seul, style de tatouage. Et ensuite, le polynésien, il y a très, pas longtemps après, hein, le tatouage polynésien, le marquisien, tout ça, ça a été aussi réapproprié dans le tatouage occidental, mais Bornéo, c'est important dans l'histoire du tatouage moderne. Where we had a Tohunga Suppression Act. The Tohunga Suppression Act stopped us practicing traditional shamanic practices, right? Healing, tattooing, other aspects of our culture. So because of that, we lost elements of the tattooing knowledge, and we are reclaiming, or we are reinventing, or we are working without them. But it's amazing to see the Taiwanese reviving their art form, and the artist being so supported by the people around them.
There's a great energy and a great commitment to the art form. Same with the other revivalists. And that's really inspiring. It's really inspiring. I wish I could speak the same language with them to be able to share stories. But just watching is enough to get energy and to get inspiration and respect. Parce que la culture métal est forte, on voit tout, la Nouvelle-Zélande, toutes les cultures de toutes les îles du Pacifique qui se réunissent ici, hein, ici là à Montréal. Métal, c'est assez fort, c'est très fort métal. Ça va jusqu'en Europe, je suis resté longtemps en Europe, mais les gens connaissent le tatouage polynésien grâce à moi, grâce à Louis, parce que lui il est au Canada. Wa o te tatau o mata mata ara o te tiai o te tau e tu lei po te tiai o te po 3 cup nous on est une famille, ça c'est la sœur, ça c'est le frère, you my sister, this is my brother, yeah. It's family. Tuakana. Yeah. Taina. Je suis son frère. Yeah. On est la famille du tatou. On est tous devenus fous. On est tous des tatous. C'est bien la foule. Ouais, c'est bon fou ça. C'est tout. Too, Maori, yeah. And yeah. And French. Yeah. Qu'on arrive à faire des échanges. C'est souvent pour ça qu'on a voyagé. C'est dû à la culture, à nos traditions. Quoi. C'est un porteur de messages de la culture. Was used for hand and eye coordination. Aotearoa New Zealand, we greet you with kia ora. Can everybody say kia ora? Yeah, let's try that one more time. Kia ora! Kia ora! La New Zealand représente vraiment le triangle, je trouve. Tout ce que nos ancêtres ont pu comme n'ont pas pu partager. Heat exchange, so
You watch. I'll take the heat out and then I'll sweat like a pig. Yeah. Take her heat off her, her pain, sore. I'm an empath, so I can carry your energy. En tant que tatoueuse aussi, elle fait partie aussi dans le système, dans le monde. Heating up, hot out. My hand is hot. It's like real hot. Buried on a stranger's bed, the loneliness etched on a mighty stone. At the going down of the sun in the morning, Turumakina. He's from New Maori in Australia. We met in Auckland 2009. Et vient de la Nouvelle-Zélande. C'est une des comment qu'on appelle ça, une leader de là-bas qui traîne du monde avec elle et qui voyage à travers le monde. Ouais, Maori. Bon, le travail. Beaucoup de détails, trop propre, le boulot est propre. En Polynésie, il y a très peu de femmes qui se sont données au tatou. Peut-être qu'en voyant tous ces Maoris venir et tatouer, peut-être ça va donner à eux aussi le fait de vouloir être tatoueuse, quoi. J'aimerais bien qu'ils deviennent tatoueuses, les filles de la Polynésie. Ce serait une bonne chose aussi en même temps. Most of the Maori ones that tattoo are here. There's a few more in New Zealand, but not many. This is most of them. J'essaye de me faire tatouer plutôt que de tatouer, parce que c'est quand même une attente à Montréal où je travaille. J'ai quand même 6 mois d'attente. Ah, je pense je peux me faire tatouer plutôt que de tatouer. J'en profite au maximum, quoi, de me faire tatouer. Parce qu'une fois que je serai à la maison, je n'aurai pas le temps de me faire tatouer. Hein, parce que je serai en train de tatouer, quoi. Je fais du sport aussi, je fais de la boxe aussi, quoi. Hein. J'essaie de tenir le créneau. Ben là, après ça, j'aurai encore 2-3 petites places qui me laissent sur le corps, et mais sinon après, je suis tout tatoué, quoi. Mōrea he tangata, mōrea he ngā waka. Maruru, maruru, maruru. Kārangi tōki a tūki a, o te mūmū, o te āwha, o te mūmū ni kai ōka, o te māni hi kai o tā tākiri panapana, kārau i runga. Yeah. Go home.
Merci.